J'aurais pu, je pense, en finale mettre beaucoup plus de points parce que j'étais à l'aise, hein, et je me suis pas senti effrayé. Mais j'ai rendu le combat compliqué finalement parce que je me mets des barrières. Mais l'important, c'est ce qui reste, c'est celle-là et c'est la troisième. J'ai l'impression d'avoir toujours besoin de prouver quelque chose, alors qu'en soi j'ai fait déjà, même si je l'avais perdu, l'histoire est quand même belle. Mais je voulais pas, tu vois, je voulais pas. Le plus beau, ça reste le premier, parce que j'étais jeune et c'était tellement incroyable en termes d'émotion. En fait, ils ont tous une valeur différente. Le premier, parce que c'est le premier. Le deuxième, parce que je sors des jeux et c'était sans entraînement quasiment. Et je fais une très belle compète avec une très très belle finale. Et celui-ci, parce que il m'a tellement fait suer ce championnat que. Voilà, c'est tous un sentiment différent. Celui-là, il a plus un sentiment de. Pff, Dieu merci, c'est la fin. Fier de ce que j'ai fait aujourd'hui, en toute humilité bien sûr, mais voilà, maintenant je viens prendre du plaisir, bien sûr j'essaye toujours, je viens toujours pour gagner, hein, je viens pas en touriste, mais ouais, j'ai accompli des belles choses je pense et j'en suis content. Et je sais pas pourquoi je sentais que les jambes elles allaient sortir là, c'était lourd ces derniers temps, elles viennent pas, même si en équipe ça va, c'est sorti léger, hein, je vieillis, tu vois, donc ça devient dur. Et puis tout le monde me connaît forcément, donc et j'ai un frein moi-même parce que justement à force d'avoir fait pas mal de titres, et ben j'ai pas envie, je prends moins de risques qu'avant peut-être, tu vois. Et donc je suis freiné sur certaines choses. Là, j'avais envie de, il y avait médaille assurée, je me suis dit allez, j'essaye, je tente, on verra bien. Putain, je l'ai fait, je te mens pas. C'est surtout ça. Et tu nous la montres cette médaille là. Merci Steven et félicitations. Merci.